Tu t'imagines que je suis jaloux, c'est ça? Voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. Sainte Vierge, donnez-moi le courage de vivre. Fanny est une femme... une femme moderne et une femme libre. Une femme qui, par amour, renonce pour que l'homme qu'elle aime puisse s'épanouir. Et elle est prête, elle, à s'effacer et à vivre quelque chose qui va la ternir, lui faire perdre son identité. Oh, Marius! Oh, Fanny! À quoi tu penses? Peut-être à toi. Je crois que Fanny ne se cherche pas. Alors que Marius se cherche? Elle sait que son amour, c'est lui, et elle sait que c'est réciproque. Je crois que je vais me marier. Qui c'est? Panis. Panis, le père Panis? Oui, monsieur Panis. Panis? C'est que Fanny aime tellement Marius qu'elle le pousse dans les bras de la mère, et que Fanny est poussée par amour pour sa mère dans les bras de Panis, quoi, voilà. Elle assume ses choix. Je voudrais te parler de ce mariage avec Panis. Et je voudrais t'en parler comme un frère. Tu n'es pas mon frère. Le personnage de Fanny est sacrificiel, parce qu'il y a un enfant. Et la fierté de Fanny, c'est cet enfant. Et il n'y a plus que lui qui compte, voilà.